monde. Voilà, je vous présente mes petites tasses à thé qui ont été réalisées selon le tuto de Nathalie G. Je vous conseille vivement d'y aller, elle explique vraiment très bien. Elle avait fait ici un effet crème fraîche. Malheureusement, comme je suis débutante en crochet, je n'ai pas su le faire. Ces petites tasses à elle, ici, elles ont... Il y a une petite... comme la boule de la petite tasse. Et ici, elle avait fait aussi. Mais là, je n'ai pas su faire. Donc, moi, j'ai fait tout des mailles serrées comme ça. Donc, j'ai simplifié l'histoire. Mais en fait, je suis assez contente du résultat. Je vais vous montrer comment on brode ces petites fleurs là parce que ça ne l'a pas montré sur son tutoriel et les petites feuilles il y en a pour 2 minutes. Donc comment je fais? Je prends d'abord mon aiguille, à l'autre bout je lui ai fait un nœud, je repère donc le milieu donc de... Attends, je vais mettre dans le sens de la caméra, donc de la tasse, donc on va dire que c'est ici, je tire mon fil. Je viens repiquer donc comme ceci ici juste à côté, comme ça. Attendez, je prends juste un petit point donc du truc du crochet. Hein. Voilà. Et je prends mon fil et je viens tourner comme ceci 12 fois autour. Donc on est déjà à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 et 12. Quand j'ai fait ceci, je maintiens bien ici et je viens tirer comme ceci. Voilà. Donc comme ça. Toujours en tenant bien. Et vous allez obtenir donc le premier ici qui va servir donc à faire le bouton. Donc je vais venir le repiquer juste ici à côté en le faisant tourner. Donc je reviens, je repique de l'autre côté. Je vais vous montrer quand j'aurai piqué parce que... Voilà. Alors ici, je vais venir repiquer, donc ici, entre juste au centre de mon, donc de mon petit bouton, comme ça. Comme ceci. Je viens repiquer... Donc, juste un tout petit peu à côté où je prends juste un brin donc, de ma tasse. Et je viendrai refaire donc 12 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Et je viens tirer donc sur mon aiguille. Mon chat est un peu gros. J'aurais dû prendre une aiguille beaucoup plus petite, mais je ne l'ai pas retrouvée. Je ne sais pas où je l'ai mise. Voilà. Donc comme ceci, j'obtiens l'autre petit boudin comme ça et je viens donc le repiquer donc ici juste à côté et qui va former donc la petite rose comme ceci, voyez. Et la petite rose, elle est terminée. Donc ici derrière, je viens faire un petit point comme ça pour bien tout maintenir. Voilà. Maintenant, je vais changer de fil. Je vais prendre du fil vert pour faire les feuilles. Je vais enfiler mon aiguille. Le fil, c'est les fils que l'on vendait chez Action, donc qui se trouvent dans les boîtes comme ça. Attendez, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Voilà, c'est les petites cartonnettes comme ça. Alors, je vais vous montrer pour faire la feuille. Donc je viens piquer donc juste ici au ras donc de ma fleur. Voilà, qu'on ne voit pas le départ donc de ma tige. Je viens ici un petit peu plus loin, je reviens au même endroit comme ceci. Voilà. Pour faire le premier morceau donc de la feuille de ma fleur comme ça. Je viens là sur le côté pour faire le troisième morceau comme ceci. Voilà. Maintenant, vous pouvez le faire double. Hein. Ça repasse deux fois au même endroit. Comme ça. Donc, on a déjà donc, les trois petits trucs comme ça. Je vais de l'autre côté. Je m'installe. Et je fais exactement la même chose. Donc, je viens piquer ici. Je reviens au même endroit pour avoir donc la plus grande feuille. Je viens me mettre ici un petit peu plus loin comme ça.
pour avoir la deuxième feuille, et ici plus loin pour obtenir la troisième feuille. Ils sont encore en train de se disputer. Donc voilà ce qu'elle va donner. Puis bien sûr, je viens fermer ici vers l'arrière, comme ceci. Ils font vraiment exprès à chaque fois que je fais une vidéo de se disputer et d'aboyer. Donc, moi j'avais pensé après qu'on pouvait les installer comme ça, par exemple sur une composition, bien sûr si j'avais pris toutes les mêmes, pour faire des petites tasses qui s'emboîtent comme ceci. Voilà ce que ça peut donner. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Merci.